Je suis dans la société de la plaine depuis 30 ans. J'ai voulu faire ce métier pour la montagne, pour le ski, être en plein air. On a un beau cadre, on a un beau lieu de travail. Avant, j'étais au Piz-de-Montée, je m'occupais de tous les matelas, de toutes les sécurités et les essais à faire qu'il y a le matin. Je me suis retrouvé au sommet d'un télésiège. Et là, il y avait un tas, alors j'avais un peu de temps, je me suis amusé à faire un cochon. Et les gens ont bien apprécié. L'année d'après, j'étais au sommet des Colosses et j'ai fait oui avec sa voiture. Pour les gosses, et c'était très bien. Beaucoup de gens prenaient des photos et c'est venu de là. Je suis sculpteur sur neige, voilà, du coup. C'est pour la Saint-Valentin, il y a trois saisons en arrière. Mais toutes les années, je fais des cœurs pour la Saint-Valentin. Là, c'est au sommet de la Grande Rochette. C'était un dracard pour les Vikings. C'était sublissime aussi. Cet hiver, on a perdu un de nos collègues pisteurs. Et on m'avait demandé de faire son portrait. Et j'ai pas eu le temps de le faire cette année. Et le portrait, ça a hyper dur à faire, le visage. Je vais essayer de le faire l'année prochaine, à la date anniversaire, si je peux. Il s'appelait Patrick. Le bonnet de la plagne, avec une Edelweiss. Là, c'est les Davador, Maître Yoda et le bonnet. J'avais bien réussi celui-là. Et là, c'est pour faire voir la taille à peu près. Voilà. C'est vrai que j'ai de la chance.